Ça prend 40 personnes pour remplir l'autobus, puis jusqu'à maintenant, il y en a 34. C'est déjà beau qu'il ait trouvé 34 poissons pour assister à ça. Qu'est-ce que tu veux dire, Thomas? Mais déjà que les comédies musicales, moi, je suis pas un grand fan. Mais Marguerite et Armand, c'est vraiment nul au cube. Ah, ouais. Ah, puis la toune qui joue depuis un mois à radio, là, je suis plus capable. Quand même, vous exagérez pas un tout petit peu? Pas du tout. Tu vas pas me dire que tu tripes sur Marguerite et Armand, quand même? Mais non, pas du tout, j'aime pas ça. J'aime pas ça. J'adore ça. À part ça, avez-vous vu la belle annonce à la télé? Ah, c'est sûr qu'on a déjà vu l'annonce de Marguerite et Armand. Elle doit passer quoi, 40 000 fois par jour? Les seuls qui l'ont pas vu encore au Québec, c'est ceux qui ont pas de télévision. Dans l'annonce, là, on dirait qu'ils font exprès pour que les chanteurs aient l'air fous quand on voit les costumes. Non, mais c'est parce que l'action se passe au 19e siècle. Les gens s'habillaient comme ça dans ce temps-là. Ah oui? Ça veut dire que les miroirs n'existaient pas encore au 19e siècle? En tout cas, moi, je connais personne qui va voir ça. Ah ben, t'en connais au moins une. Karine y va. Puis avec moi, ça fait deux. Ça me surprend pas. Karine est tellement gna-gna quand elle veut. Une chance qu'elle est pas là pour t'entendre. Moi, je mangerai pas mon dessert. Qui le veut? Moi. Mon Dieu, le nourrissez-vous, lui, à maison? Ah oui, on lui donne sa moulée deux fois par jour. Ah oui, mais toi, on change ta litière deux fois par semaine? Ah, ah, ah. Es-tu au régime ou tu... Non, c'est plus par rapport aux boutons. En tout cas, toi, Simon, ça a pas trop l'air à te déranger, les boutons. Quoi, il paraît tant que ça, mon bouton? Arrête donc, JF, là, il paraît presque pas. Avec les hormones de croissance que Simon vient de lui donner, je sens que ça restera pas de même. Mange donc, il a dit des niaiseries. Ben, je peux faire les deux en même temps, regarde. Voyons. Goûte donc même bizarre. Ah oh non, mais c'est parce que t'as pris le mien. Est-ce que c'est un sandwich au thon, ça? Ben ouais, mais... Merde. J'ai un allergique au poisson. Hein? Il va aller plus. Faut aller chercher l'infirmière. Non, laisse faire l'infirmière. Qu'est-ce que tu fais? Il est tout, là. Qu'est-ce qu'on fait? Shandy, va au secrétariat, t'as appelé une ambulance. Vite, là, Simon, vite! Jeff, ton épipène est dans ton sac. Vite, Simon, vite! Hey, on se calme. Okay. Non, mais vite, parce que je veux pas qu'il meure. Bon, je l'ai. Tiens. Hein? Mais voyons, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Je sais même pas comment c'est ça marche. C'est les nerfs, c'est juste les tues. Ok, qu'est-ce qu'il faut le planter? Attends, est-ce que tu peux enlever ton pantalon? Je regarderai pas! Alors, pas besoin, tasse-toi, t'es dans le chemin, c'est le nord! Mangeons, il a dit des niaiseries. Ouais, je peux faire les deux en même temps, regarde! Ça va bien? On dirait que mon bouton a encore grossi. Simon, il a dit Céline au toit de là. Il a pris les pipelles de JF, puis bah, il a planté dans la cuisse. Là, est-ce que Jean-Félix est correct? Oui, sûrement. Il est parti à l'hôpital pas longtemps après. Oh, oui, quelques minutes après l'injection, là, il respirait presque normalement. Simon lui a sauvé la vie. Hey, je suis fier de toi, mon grand. Oh, il n'y a pas grand-chose là. Oh, prends les compliments quand tu passes, Simon. Non, je vous le dis, là, Céline puis moi, on a paniqué, mais pas lui. Il est resté calme jusqu'à la fin. Il a été héroïque. J'ai seulement été efficace. Oh. Disons, héroïquement efficace. Salut! Hey, Chloé! Hey. Je lui ai dit que tu lui accorderais une entrevue pour le journal de l'école. Ouais, le journal sort demain, mais je vais changer la une pour mettre ton histoire. Oh, hey, c'est tout un honneur, ça, mon grand. Vas-y, pose tes questions. Ah, je vais juste prendre une photo avant. Oh, une photo? Mais... Pourquoi? Ben, voyons, Simon, ça prend une photo du héros de la semaine. En première page, à part ça. Mon bouton en première page? Tout mais pas ça. Non, je veux pas de photo. Mais non, pourquoi pas? Parce que je veux bien raconter mon histoire, mais pas besoin d'imprimer ma face partout pour ça. Oui, mais l'article va être bien plus attrayant avec ta photo. Pas besoin d'être attrayant. Je veux pas être une vedette. Ah ben là, je pensais jamais vivre assez vieux pour entendre ça dans la bouche de Simon L'Espérance. Non, mais c'est vrai. Vu que je partage ma case avec JF, il m'avait déjà montré comment fonctionne son épipène. J'ai juste fait ce qu'il m'a dit.
tu préfères, je peux mettre ta photo en page 3. Non, ni en page 3, ni en page 53. Je suis pas un héros, OK? Pas de photo, point final. Ce que tu viens de dire là, Simon, là, ça fait juste te rendre encore plus héroïque. Oui, parce que les plus grands héros, c'est les héros modestes. Pour la modestie, elle devrait plutôt féliciter mon bouton. Ah, oh, t'es revenu. Oh, j'avais vraiment hâte que t'arrives. Puis, t'es guéri, ben, je veux dire, t'es correct. Ouais, tu t'as bien été, là. Je suis correct, ça va numéro 1. Mais comment ça se fait? Tu m'avais jamais dit que t'étais allergique aux poissons. Parce que ça n'a jamais donné, c'est tout. Remarque, ça pourrait être pire, allergique à lasagne. Ça, je le prendrais pas. Jeff, est-ce que je peux t'interviewer pour le journal? Ah, je suis pas sûr de vouloir que le journal parle de mes allergies. Oh, tu veux pas me faire le coup de Simon, là? Il voulait pas se faire photographier, puis ça a tout pris pour qu'il réponde à mes questions. Bon. OK. Si ton demi a donné une entrevue, je vois pas pourquoi je le ferais pas. Parfait. Bon, on va s'installer par là. Hey. Avez-vous réservé vos places pour Marguerite et Armand? Mais oui, je vais être assis dans la première rangée avec ma caisse de tomates. Hey, faut pas parler trop fort, la responsable doit pas être loin. Je me demande qui c'est. La responsable, c'est toi? Non, c'est pas moi, c'est Karine. Mais elle est malade, alors je la remplace. Oh, je leur mets en pleine face, mais je suis pas capable de faire autrement. Phew, il me semblait aussi que t'avais plus de goût que ça. Savez-vous comment est finie la comédie musicale? Bon, la fille est malade, elle crache du sang, c'est l'enfer, elle va mourir. Là, Armand arrive, il a French, puis il est guéri. Est-ce que c'est assez ridicule pour vous autres? Ben, c'est vrai que c'est assez invraisemblable, là, mais... Oh, mais c'est tellement romantique. Mon amour, me voici, je viens vous sauver. Oh, vite! Un baiser d'amour! Mais j'ai encore mieux, mon aimé! Un épipène d'amour! Oui! Oh, mon amour! Je suis guérie! Ben, c'est pas plus invraisemblable que d'être sauvée de l'étouffement par une piqûre. Moi, je peux pas croire qu'il y a des filles assez nonnes pour triper là-dessus. Qu'est-ce qu'il va se passer quand il va se rendre compte que je suis une nonne? Est-ce qu'il va vouloir casser? Comme ça, Shandy a une grande nouvelle à t'annoncer. Hein? Peut-être qu'elle change de classe puis qu'elle s'en vient avec moi. Non, peut-être qu'elle change d'équipe de hockey pour s'en venir jouer avec vous autres. Ah. Ou peut-être qu'elle a gagné à la loterie puis qu'elle m'a acheté un nouveau hockey en composite. Non, peut-être que t'as acheté un aréna pour que tu puisses t'entraîner quand tu veux, tu sais, tant qu'elle a gagné à la loterie. Ou peut-être qu'elle a passé au feu. Ce sera une bonne nouvelle, ça? Ah ouais? Elle sera obligée de venir habiter ici? Non, peut-être qu'elle veut se faire adopter par notre famille pour se rapprocher de toi. Es-tu malade? Je serais jamais capable de sortir avec ma demi. Ouh, peut-être qu'elle vient essuyer la vaisselle à ma place. Ah, ça sera une bonne nouvelle pour moi parce que tu essuies un article à l'heure. Un article à l'heure, je vais t'en faire. Salut! Bonjour, monsieur l'espérance. Allô, ma belle. Je te dis que Simon avait hâte que t'arrives, hein? Toi aussi, t'as hâte de l'entendre, la nouvelle qu'elle a m'annoncée. Puis... OK, tiens-toi bien, là, parce que ça va frapper fort. Ma mère a une amie journaliste qui travaille pour la télévision. Ouf! Oh, hey, ça frappe, hein? Moi, faut que je m'assoie. Non, attends! Bon, elle lui a raconté ton histoire avec Jeff. Mm-hmm. Puis son amie veut t'interviewer. Hey, Simon, la télé, c'est pas rien, ça. Ah, c'est vraiment cool, tu vas passer aux nouvelles, Simon. Correction! On va passer aux nouvelles, moi pis mon bouton! Donc là, elle va venir demain à l'école à 4h30, puis ton entrevue va passer aux nouvelles de 6h. Puis vous, elle va vous appeler pour vous demander votre autorisation. Mon autorisation? Oh là, je suis pas sûr que je vais donner mon autorisation, moi, parce que je voudrais pas que ça nuise aux travaux scolaires de Simon. Ouais, ben justement, je pensais étudier demain à 4h30. Simon qui refuserait de passer à télé pour étudier. Mais c'est sûr que je vais donner mon autorisation. Ouais, bon, hein? C'était trop beau pour être vrai. Excellent! Puis, es-tu content? Ben, écoute, Shandy, j'ai pas envie de me faire interviewer. Je te l'ai dit, je suis pas un héros. C'est très gentil de ta part, mais... Mais voyons, Simon, c'est parce que tu peux pas refuser ça, là. Pourquoi pas? Là, je suis tanné d'entendre parler de mon supposé exploit. On peut pas passer à autre chose.
Mais est-ce que vous comprenez quelque chose à ça, vous? Non, je t'avoue là qu'il est difficile à suivre. Oui, mais c'est parce que là, je peux pas décommander la journaliste, moi. Non, inquiète-toi pas. Je vais essayer de le persuader. Merci. Ouais. Non, mais c'est parce qu'il y a des limites à être modeste, hein? Surtout quand on s'appelle Simon L'Espérance. Tuberculose. Tiens, tiens, ça me dit quelque chose, cette heure-là. Bouh! Oh, franchement, Simon, t'aurais pu frapper avant d'ouvrir. J'ai frappé, mais t'entends rien. Tu tripes trop sur Marguerite et Armand. Il n'y a plus rien à faire, je me suis trahie. Ma demi est une quétaine, c'est trop comique. Moi, j'écoute 10 secondes de ça, puis ça me rend tellement malade que... Que ça te donne des boutons. Oh non! Simon, c'est Shandy. OK. Là, dérouillez-vous, vous allez être en retard. Oui, oui, ça sera pas long. Allô? Non, ça me tente pas de passer à la télé, je te l'ai dit hier. Arrête de me traiter de héros, j'ai rien fait de spécial. OK, moi aussi, à tantôt. Là, Thomas est arrivé, il t'attend. Ah, dis-lui que ça sera pas long, j'arrive. Très bien. Mais là, mon gars, là, je te comprends pas. Ah, tu peux faire ce que tu veux avec les médias, là, mais ta blonde a travaillé fort pour toi. Hmm? C'est pas par modestie que tu veux pas passer à la télé, hein? C'est à cause de ton bouton. À vous! Mais puis toi, tu voudrais passer à la télé avec un poireau comme ça? Ben, moi, je dirais la vraie raison au lieu de faire l'hypocrite. Touché. Et puis toi, tu te caches pour écouter la musique que t'aimes? C'est pas hypocrite, ça? Touché. Ouais. Finalement, on est deux beaux hypocrites, hein? Ouais. Mais là, ça peut pas rester comme ça. Je dois faire quelque chose. Ouais, moi aussi. Mais quoi? Mais quoi? Simon, Thomas t'attend! Ouais, ouais, j'arrive! Qu'est-ce qui t'est arrivé? T'es encore battu? Si je le dis à une seule personne, aussi bien que ce soit à Thomas. C'est mon bouton. Aïe aïe! Lui as-tu donné de l'engrais? Laisse faire les farces plates, OK? Je l'ai pété hier soir, puis ce matin... Et là, je comprends. Il est désinfecté, on pète jamais ça, un bouton. Mais puis qu'est-ce que t'aurais fait à ma place si t'es si fin que ça? Quand ça m'arrive, je mets un produit spécial. Puis, t'en as chez vous? Oui. Ça fait des miracles pour faire disparaître les boutons. Ah ouais? Des miracles? Waouh! Je vais peut-être passer à la télé, finalement. Est-ce que ça te dérangerait de me le prêter, ton produit? Mettons, je sais pas, moi, ce midi, je pourrais faire ça tranquille. Automatique. Hey, merci. Yes! Ça fera 100$ pour la consultation. Étouffe-toi avec ta consultation. Oh, je te rejoins, là, j'ai un appel à faire. Ouais, pas de problème. Salut, Shandy. Comment ça, t'es pas sûr que ça tente? Jeff, c'est parce que tu peux pas dire non à la télévision, là. Là, Simon vient de dire oui, puis c'est l'autre qui branle dans le manche. Le monde n'a pas besoin de savoir ce qui m'est arrivé. Je vais avoir l'air d'un beau zouf, moi. Mais pas du tout. Pourquoi tu dis ça? Mais tu sais, le gars qui se trompe de sandwich parce qu'il rit du demi de sa blonde. J'ai pas trop l'air intelligent là-dedans, moi. Mais t'es pas obligé de donner tous les détails, hein? Ben oui, c'est vrai, ça. Puis c'est une histoire super instructive, hein? Ça va donner plein d'informations sur quoi faire en cas d'allergie grave. Ouais, ouais, puis tu sais pas, hein, peut-être que tu vas sauver plein de vies en passant en télé ce soir. Bon, OK, je vais la faire, ton entrevue. Là, tu parles! Mais hey, c'est ton entrevue, hein? Je vais la faire, mais à une condition. Je veux que personne vienne m'achaler pour qu'on la regarde en gang. Pas de problème. Je vais regarder ça chez nous, bien tranquille, toute seule avec ma blonde. Hein, c'est une... Ouais, ben moi, faut que j'y pense. Mais non, je peux pas. Je vais être dans l'autobus pour aller voir Marguerite et Armand. Tu peux pas refuser ça à JF, Célina. T'as peur que j'ai l'air fou, hein, c'est ça? Non, ben non, pas du tout. Bon, ben accepte donc d'abord, hein? Parce que là, si tu continues, il risque de se décommander pour vrai. Qu'est-ce que je fais? OK. C'est beau, ça va marcher. Je vais aller regarder les nouvelles chez vous. Cool. Bon!
Bon, oublie pas, il faut que tu sois ici à... à 4h30. Ouais, compte sur moi. OK. J'ai réussi à gagner du temps, mais j'ai rien réglé du tout. Tu vas passer à la télé ce soir? Ouais, aux nouvelles. Il y a une journaliste qui vient m'interviewer après l'école. À propos de ce que t'as fait pour Jeff? Exact. M'aurais-tu vu, toi, passer à la télé avec un volcan en éruption dans la face? Mais grâce à toi, j'aurais pas vécu ça. J'espère que tu penses pas que ton bouton va disparaître complètement d'ici la fin d'après-midi. Pas complètement, mais pas mal quand même. Non? Hey, Thomas, tu m'as dit que ton produit faisait des miracles. Des miracles peut-être, mais pas si rapidement. Y a rien qui peut faire disparaître ton bouton en si peu de temps, à part la chirurgie plastique. Je viens d'appeler Shandy pour lui dire que je la ferai à l'entrevue. Je suis fait. Attends un peu, là. On peut pas faire disparaître ton bouton, mais on peut le cacher. Le cacher? Le cacher comment? J'ai pas hésité une seule seconde. J'ai planté son épipène direct dans la cuisse. Mais ça, c'était avant que j'aie mon sac sur la tête. Ça allait mieux pour viser. Mais oui, je pourrais coller un bonhomme sourire dessus, un coup parti. Mais oui, caché. Comme avec du maquillage. Du maquillage? Ouais, c'est pas fou. Même que c'est génial, Tom. Faut qu'on essaye ça. OK. As-tu une idée des produits qu'il faudrait utiliser? Tiens, essaye ça. Mais c'est un rouge à lèvres, ça n'a pas rapport. C'est pas un rouge à lèvres, regarde la couleur. Un rouge à lèvres couleur peau, ça se peut pas. Non, avec ma sœur, tout se peut. Cache cerne? Mais qu'est-ce qu'elle fait avec ça? Elle a pas de cerne, ta sœur? Ouais. Moi, la dernière fois que je l'ai vue pas maquillée, elle avait pas de cerne, mais ça a peut-être changé. Ça fait 5 ans de ça. Ah, c'est vous deux. Hey, ça m'a fait peur. On est venu dîner ici, finalement. Mais là, je suis arrivé en bas, j'ai entendu du bruit, je me demandais bien ce que ça pouvait être. Bon, mais je redescends. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pour un atelier de théâtre à l'école. Mm-hmm. Ah, que vous venez manger à la maison pour être capable de vous maquiller en cachette, c'est votre droit, les gars, là, mais la prochaine fois, vous m'avertirez. Oublie ça, le maquillage, Tom. J'aime mieux faire rire de moi à cause de mon bouton que parce que je me suis maquillée comme une fille. Mais non, il y a sûrement une autre solution. Tu pourrais demander qu'il ajoute un petit carré noir, mais au lieu que ce soit sur tes yeux, ça serait sur ta joue. Non, je sais ce qu'on va faire. Thomas, tu vas me frapper. Hein? T'as bien compris. Tu vas me donner un bon coup de poing en plein sur le bouton. Mais pourquoi? Parce que si j'ai un bleu sur la joue, mon bouton va moins paraître. Ah oui? Je vois pas l'intérêt de remplacer une fraise par une prune. J'aime mieux avoir l'air d'un gars qui s'est battu que d'un gars qui s'est pété le bouton. Mais quand même, c'est pas évident. Tu pourrais demander à ton père. Es-tu fou, toi? Il va vouloir encore moins. Thomas, au nom de notre amitié, s'il te plaît, frappe-moi. Célina, est-ce que Karine a ses 40 noms pour la sortie? Ouais, on en a 42 finalement. Wow! 42 personnes pour voir Marguerite et Armand? Je suis prêt à gager que ça va être leur plus grosse foule. Là, j'ai plus le choix, il faut que je m'assume. C'est tellement poche comme musique, là. Le chanteur Bazou, il est vraiment nul. Moi, je l'aime beaucoup. Si je te connaissais pas, je penserais que tu serais sérieuse. Ah, bien, yeah, Célina. Tant qu'à venir regarder une nouvelle chez nous, tu pourrais rester à souper. J'en ai parlé à mes parents, ils sont d'accord. Jeff, je resterai pas à souper. Puis je regarderai pas les nouvelles avec toi non plus. Voyons, tu niaises, là? Non. Parce que ce soir, à 6 heures, je vais être dans l'autobus pour aller voir la générale de Marguerite et Armand. Hein? Je n'osais pas te le dire avant parce que t'aimes pas ça, mais là, il faut que ça sorte. Je l'aime, cette comédie musicale-là, moi. Puis l'organisatrice de la sortie, c'est pas Karine, c'est moi. Ah, oh, ouais. Mais pourquoi tu me l'as pas dit avant? Jeff, c'est pas facile d'avouer qu'on aime quelque chose quand son chum rit de ça. Qu'est-ce que tu veux? Je trouve ça niaiseux. Ben moi, je trouve ça beau. Parce
parce que c'est romantique, puis moi, j'aime ça, le romantisme. Il doit vraiment me trouver nounoun. Ah oh, ouais. T'as le droit, Selina, hein? Mais maintenant, si tu veux plus sortir avec une fille qui tripe sur Marguerite et Armand, ben, t'as juste à me le dire, hein, je vais comprendre. On respire par le nez, là. On a le droit de pas avoir les mêmes goûts, voyons, non? Mais t'es pas trop déçu? Jamais de la vie. Tu m'as dit ce que tu pensais. Je suis pas déçu, je t'aime encore plus. Oh, ça fait comme je suis heureuse d'entendre ça. Mais il y a pas trop de monde que tu tripes là-dessus. Non, je niaise. Oh. Non, là, faut que je te laisse parce que j'ai une entrevue dans une demi-heure, puis Shandy est un petit peu angoissée que j'arrive en retard. OK. Hey, mais attends, il me reste un dernier billet. Est-ce que ça te tenterait de venir avec moi? Ben, tu pourrais venir me rejoindre après ton entrevue. Pas question. Je respecte tes goûts, mais ça m'empêche pas de trouver ça super poche. Oh. OK, j'ai rien dit. Bye. Bye. Des fois, j'aimerais ça être comme lui et pas avoir peur de dire ce que je pense. Wow! Ben ça a bien été? Ah oui, vous avez été excellents tous les deux. Ça a vraiment été un honneur et un plaisir d'assister à ça. Bravo! La seule affaire, c'est quand t'as dit épipène, on a compris échichène. Et t'es vraiment pas chanceux. Te fendre la lèvre la même journée que ton entrevue. T'es allé chercher quelque chose dans le congélateur puis tes babines sont restées collées dans le fond? Mais non, là, j'étais dans la salle de bain, puis sans faire exprès, Thomas m'a ouvert la porte de la pharmacie d'en face. Bon, est-ce que quelqu'un voudrait venir m'aider à ramasser les tables et les chaises? Certainement! Merci. Je pense que j'aurais préféré le coup de poing. On reviendra pas là-dessus, j'étais pas capable. Oui, mais c'était pas une raison pour m'ouvrir la porte de la pharmacie d'en face. Tu sais, c'est un accident, j'ai pas fait exprès. Au fait, les gars, qu'est-ce que vous faisiez dans la salle de bain, tous les deux? Ah, c'est assez simple, hein? Oh non, il va pas dire que je me maquillais. Vois-tu, les gars étaient dans la salle de bain parce qu'ils devaient réparer un robinet de la douche qui fuit depuis des mois. Hey, il est correct, mon père. Hey, Thomas, viendrais-tu nous aider, s'il te plaît? Oui. Le journal est prêt, vous l'avez en primeur. T'as cassé deux bâtons de rouge à lèvres, Marianne va t'étrangler. Comme ça, t'es trop modeste pour avoir ta photo dans le journal, mais pas assez pour avoir une entrevue à la télé. Non, c'est pas pareil, là. Shandy m'a tordu un bras. Ah, oh, c'est drôle. Je pensais qu'elle t'avait donné un coup de poing dans la face. Tiens. Ah, merci, je vais lire dans l'autobus. Bon, ben, salut tout le monde. Salut. Bon spectacle. As-tu amené ton Walkman si le spectacle est plate? Toi, Jeff Beaupré! Simon, j'ai pas eu le temps de te dire merci pour hier. Ben là, je le fais. Merci pour quoi? Ah, pour ça, hein? C'est le fun de savoir qu'il m'en doit une. Ben, vu que je t'ai déjà sauvé la vie moi-même, je me disais que c'était un à un. On est quitte? Eh ouais, on est quitte. Parfait. On va pouvoir commencer à s'écœurer. Eh ouais. Comme avant. Je suis pas sûr que c'est une bonne nouvelle, ça. Hey, Simon, le plus comique, c'est que t'as capoté pour rien pour ton bouton. La maquilleuse t'a mis un pouce de fontaine en face. Ouais, je sais bien, avoir su. Hey, chut, Shandy s'en vient. Je pense vraiment que je suis la fille la plus chanceuse de l'école, hein? Mon chum, c'est le plus beau, le plus héroïque, puis surtout le plus modeste. Ah, ben, c'est pas si difficile que ça d'être modeste, hein? Faut juste peser sur le bouton. Hein, Simon?